Tu me conseilles de farm le chêne sans chopper? Non, non, je te conseille pas. Non, je te conseille à la limite de te focus sur... tu fais le bunker normal jusqu'à ce que t'aies le chopper, et de temps en temps tu fais le bunker hard, au moins aller tuer le blind one. Enfin, essaye d'aller au moins tuer le blind one et voilà. Mais clairement, t'emmerdes pas à aller farmer le chêne si t'as pas le chopper, gros. Ouais, c'est gratuit de toute façon, hein, les mecs, râlez pas, c'est gratuit. C'est gratuit. Personne vous force. Personne vous force à mater les pubs. Et franchement, à mon avis, que les pubs n'avaient rien gagné, quoi. Voilà, regardez, 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 regardez. Vous voyez le rondin de bois là? Je vous parie que là, juste au-dessus, vous voyez le truc rouge? C'est un flotteur gelé. Et je vous parie que juste devant lui, enfin, juste. Sur la droite, il va y avoir trois. Les mobs à 120 points de vie là. Il va y avoir trois fois les mobs à 120 points de vie qui vont être groupés. Regardez. Vous voyez? C'est les trois mêmes mobs à 120 points de vie. Ici. C'est les mêmes, hein. C'est trois zombies engourdis. Regardez. Je vais aller en bas sur la gauche, il va y avoir un crasher toxique et celui-là va me dropper quelque chose, vous allez voir. Je la connais par cœur cette zone. Cette zone c'est celle qui tombe la plus souvent. Regardez, regardez, je vais aller tout en bas, enfin c'est pas tout en bas à gauche, mais c'est sur la gauche. Je vais croiser un loup là un moment et après il y a un crasher toxique. Voilà, le crasher toxique il est là. Et ensuite je vais aller en haut au milieu et il y a un mob qui va me filer, il y a un crasher toxique qui va me filer un item. Et sur la droite du crasher toxique, il y aura un loup. Comment tu sais? Parce qu'en fait, je vous l'ai dit, il y a un schéma sur les zones. Et en fait, les zones ne sont pas du tout aléatoires. Et cette zone-là, je suis passé je sais pas combien de fois dessus en fait. Cette zone-là, je la connais vraiment par cœur. Les zones ne sont pas du tout aléatoires. Regardez. Je crois que le loup est là, le loup est sur la gauche. Et ensuite, encore sur la gauche, un crasher toxique, voilà. Qui lui va me dropper quelque chose. Un objectif sportif? Découvrez Body Partner de Tefal, la première balance connectée qui vous permet de piloter votre silhouette. Voilà. Mesurez jusqu'à 6 zones de votre corps. Voilà, voilà, voilà. Tellement il farm, il connaît les maps par cœur. Mais en fait, celle-là, je la connais exactement par cœur parce qu'à chaque fois, je me suis dit, ah, il y a un bout de bois et de ça. J'arrive sur un bout de bois et au final, le bout de bois est assez représentatif. Il y a une autre zone où tout en bas à gauche, il y a un minerai de cuivre et il y a un gros bloc de roche. Je connais aussi bien cette zone-là. Donc voilà, il y a un schéma en fait sur les zones, il y a un pattern. C'est assez marrant de voir ça en fait. Je pensais que c'était aléatoire, mais pas du tout. C'est pour ça qu'à mon avis, les loot au bunker, c'est pas du, enfin c'est pas que c'est pas aléatoire, mais en gros c'est prévu. Pareil pour les trucs de chopper, parce qu'en fait pour les trucs de chopper, il y a un moment où j'avais fait une zone et Yojimbo avait fait un live en même temps où moi j'étais en train de farmer sur la Zay où j'avais le chopper et enfin où j'avais l'événement chopper et je l'ai vu un peu avant lui et on l'a eu exactement au même endroit avec exactement le même loot et tout ça. Alors que bah du coup bah totalement un hasard. Reste à savoir si c'était un vrai hasard ou si c'était totalement prévu. Après Benichou la cœur, Benichou le devin, putain. Et en gros avec Yojimbo on avait exactement la même... Regardez, 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 regardez. C'est la même zone, c'est la même zone, c'est la même zone. Regardez, regardez, c'est la même zone. Il va y avoir encore 3 zombies engourdis. Il y a encore les 3 zombies engourdis qui sont là. Regardez, c'est exactement la même zone. Il y a un putain de schéma. Il y a un putain de schéma, regardez. Ça, je le mets sur YouTube. Ça, je le poste sur YouTube. J'en ai un à faire, je le poste sur YouTube. Je le poste sur YouTube, vous allez voir. Regardez, on va retourner voir le crasher toxique qui est là et qui va me redropper un item. Regardez, il va me redropper le même item. Normalement, c'est le même item. On ira voir celui qui est en haut à côté du loup. Voilà, encore un autre book. On va remonter. Non, non, ouais, j'ai utilisé genre 1100 pièces depuis qu'ils me ont filé, ouais. Non, j'en demande pas parce que c'est ce que j'ai à chaque fois. Je suis pas un gros streamer, tu vois. Déjà qu'ils m'en aient filé une fois 5000, je suis content en fait. C'est pour ça que j'ai niqué toute mon essence et que j'ai de l'essence avec moi dans le chopper en fait. Parce que du coup j'utilise pas les pièces hors stream. Par contre ça finit sur YouTube, ils vont chialer quand ils vont voir comment je chante. Quoi. Hop, par contre il y a peut-être le gros qui va me voir. Ah non. Voilà, le même au même endroit avec le même loot. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, je devine les zones. Voilà, c'est cadeau, prenez-le. C'est la petite info gratuite du jour. Voilà!